Ok, salut les potos. Alors c'est Merej, c'est la première vidéo que je fais. On est en confinement, c'est abusé, mais c'est pas grave, on va essayer de parler de cinéma un peu pour vous changer les idées. Alors j'ai vu que le film le plus populaire en ce moment téléchargé, c'était le fameux film de Soderbergh sur la contamination virale. D'ailleurs ça s'appelle Contamination, c'est super anxiogène, mais franchement, entre nous, c'est vraiment un film de petits joueurs. Si vous voulez vraiment vous taper à la fois une barre de rire et à la fois être horrifié et voir un truc que vous n'avez jamais vu complètement barré du citron, je vous conseille un film. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez le trouver, vous pouvez sortir la. Bon, bref, démerdez-vous, mais en tout cas, vous pouvez le regarder avec délectation. C'est un film hongkongais catégorie 3. Alors la catégorie 3 à Hong Kong, ça veut dire que c'est comme si c'était interdit aux moins de 18 ans. C'est absolument ignoble, il y a du cul, il y a de la morve, il y a du sang, enfin c'est ignoble. Et porté par un acteur absolument incroyable qui s'appelle Anthony Wong, qui est absolument dans 80% des films de Hong Kong, et notamment le mec qui fait le méchant dans À toute épreuve. Et voilà, et ce film donc s'appelle Ebola Syndrome, voilà. Et donc ça raconte l'histoire d'Anthony Wong qui chope le virus Ebola, il tient un restaurant, et je vous en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, il sert des petits plats comme personne d'autre. Voilà, c'est Top Chef version film d'horreur, un peu version film ignoble. Donc voilà, si vraiment vous voulez vous mettre bad, et si vraiment vous voulez voilà, ressentir peut-être après, enfin, je sais pas, moi je me dis que si on regarde des films anxiogènes, ignobles, horribles, compressants, eh bien, peut-être que au final, on se sentira beaucoup mieux. Voilà, enfin c'est ce que je pense. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je peux vous faire une petite liste de films comme ça, particulièrement dégueulasses et assez rares à trouver. Voilà, Ebola Syndrome, ça sera mon conseil pour aujourd'hui. Merci à ceux qui se sont abonnés. On est déjà 5, alors que j'avais fait aucune vidéo. C'est super. Et puis je vous dis bah, rendez-vous tout à l'heure. Demain, je ne sais pas. En tout cas, je vais commencer.